pas de problème avec Bromark, je sais plus quoi, heureusement. C'est quand même nettement plus simple. On va voir un petit peu maintenant. Hop, 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 ça arrête de bouger. Voilà, ok, l'autre il est redescendu. On nous attaque avec 70 Gushkulls. Ensuite 30 Spats. Et je perds 100 MG déjà là-dessus. Waouh. Et on ne perd que 200 troupes ici. Ça va. Je pense que. Oui. Là-bas, on se fait attaquer. On ne perd rien. On bute 300 Aspéides. Nevers. Donc, on a buté 400 chez les autres. 20 guns et 20 avions. Et on a perdu en tout et pour tout 300 infanteries. Et on n'a que 5 décisions. Ok. Boum. On a passé ça. On a de l'income tax, que ça me fait plaisir. Merci, monsieur, dame. Et c'est tout ce qui se passe. Ok. Alors, on va pas trop se plaindre. Hein. On va pas trop se plaindre. Qu'est-ce que nous avons comme décision? Modèle leader, oui. Nous avons des voleurs à Carica. C'est quoi ça? Tu peux nous voler nos réserves. Oh! Et nos stocks. En parlant de réserves, je vois que j'ai fait une bêtise. De nouveau, on n'avait pas assez. On n'avait pas assez de stockage de munitions. Donc, ok. Ensuite, on a Eternity Mouvement. Donc, de nouveau, de l'Amérique. Parfait. De la méritocratie. Parce que je crois qu'on n'avait plus assez de méritocratie. Ouais, on s'était fait avoir de nouveau là. Et enfin, une décision, une personne responsable pour la brigade 5. Avant la pointée, donc on va gagner de la. On va gagner quoi, j'ai dit, si on gagne du mind et de la méritocratie. Donc, avant d'appointer qui que ce soit, on vérifie. Mind, t'es OK. Donc, tu peux être Renata, je t'appointe. Parfait. On commence par les moins puissants. Alors, on a Eileen et Allgood. Eileen, c'est. Le plus de seniority, je crois que c'est toi. Toi, t'as combien? Toi, t'as rien de seniority. Donc, il faut d'abord que je pointe celui-ci avant elle. Et donc, comme je disais ici aussi, c'est du mind et l'autocratie ne va pas perdre puisque j'augmente la méritocratie qui n'est pas dominante dessus. Donc, tu vas gagner partout si je te positionne. Et c'est quoi? C'est le militaire. Ok. Je t'appointe. Et ensuite, j'appointe sans doute madame qui, oui, elle n'a que la milice, donc je peux la pointer maintenant. Boum. Parfait. Et donc, vous voyez que tous les autres leaders ont gagné 14%. Uniquement, même si elle n'est pas dans une faction, mais uniquement parce qu'elle avait beaucoup de seniority. Alors, nous voulons augmenter. Alors, toi, tu es quoi? Tu aimes la méritocratie, donc ça va me permettre de t'augmenter. Il faut de l'offensive tactique. Hein. Alors, est-ce que j'ai de l'offensive tactique d'abord? Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Et donc, je vais avoir 77 parce que tu es contente et tu as déjà 10 points là. 77, mais on peut appeler notre advisor qui. N'en a pas non plus, mais qui au moins a de l'improvisation et du sixième sens, qui va nous donner un tout petit peu de bénéfice. Allons-y, je t'appelle, je t'attache à notre lithium, monsieur Batterie. Yes, sir, I am off to attach. Ok. Ensuite, je reviens dans mes décisions et je gagnais un gros 3 points. Mais bon, de nouveau, le sixième sens n'est pas dedans, n'est pas inclus dedans. C'est peut-être 3 points pour l'improvisation. Je ne sais pas si elle est calculée dedans. Mais avant de faire ça de nouveau, toi, au fait, toi, tu étais, j'ai pas fait attention, mais tu aimes bien la méritocratie aussi. Et donc, tu vas monter également. Donc maintenant, je vais lancer Eternity Mouvement. B. Boum. Tout le monde a gagné, sauf bien entendu Bobby, comme d'habitude.
Et nous sommes toujours à 81, ça n'a rien changé. Maintenant, je lance le petit A. Critical success. Donc, on a fait 114 contre 99, plus le roll 164, et on est bon. Et plus 10 parce qu'on avait des points de sécurité. Ah, ok. Et donc, on a quand même perdu 564 private foot. Mais bon, c'est bien. On vérifie maintenant pour enlever Aaron. Avant d'enlever, on va quand même regarder ce que ça me donne comme négatif avec lui, puisqu'il est du même faction. Pénalité pour la friction avec l'advisor, moins 4. Et comme tu as 108 de points de relation naturelle, qui sont réduits parce qu'on ne peut pas aller au-dessus de 100, et donc je serai de toute façon à 104 encore avec lui. Donc je peux sans problème le laisser attacher. Je peux laisser attacher Aaron, qui en plus va lui donner beaucoup d'oratoire, toujours du sixième sens et d'improvisation dans tous les tirs. Donc c'est parfait, c'est parfait, c'est magnifique. Je peux le laisser tout le temps attaché pour le moment. Il faudra vérifier un petit peu plus tard. Mais normalement, ça ne devrait rien modifier. Ok, c'est bien, c'est très très bien, c'est une bonne chose. Je voudrais vérifier mes demandes, je ne sais plus ce que nous avons. Nous avons 15 rounds qui restent pour passer de 13 à 15. Donc ça va, puisque nous aurons. Ça, c'est nous autres. On a fini nos deux petits bâtiments. Si je ne me trompe pas, on est occupé d'essayer de faire de la light industry. Mais ça coûte 2500 crédits. Et alors, à Hanson, toi, il te reste un tour pour faire le light industry. Ok. Ok, si je regarde maintenant à Carreca, Carreca, voilà. Nous sommes occupés de construire une light industry, mais nous n'avons pas assez de fonds. Nous sommes à 1876 seulement. Et il faut 2005 avant qu'il puisse démarrer notre truc. Ok. On a fini les décisions. On va regarder de nouveau ici. Je voulais savoir ce que j'ai. Donc d'abord l'Empire Dashboard. Donc on gagne un petit peu de tout, sauf le crédit. On perd 200 crédits quand même. Hein. On n'en a plus là. On n'a plus de sous. On n'a plus de sous. Ça, on a perdu parce qu'on avait. Bon, là, on a pris des points dans le nez parce qu'on a été attaqué. Mais mes supports ici, c'est parce qu'on avait, c'est au début du tour, donc ça devrait augmenter, puisqu'on a réattaché tout notre personnel. Urgent issue. Oh. Cinq unités n'ont pas eu à manger. Toi, tu m'étonnes, tiens. Toi, tu m'étonnes beaucoup. C'est pas ça qui nous manquait. Il nous manquait des munitions. Cinquième MG. Cinquième MG. HQ, 5e MG, tu me dis quoi? Consumer 5 de foot, 5 oui, and available 6. Okay. Foot pourcentage 100, foot pourcentage 60. Hunger Change, c'est toi, t'as perdu un petit peu. C'est la 5e MG. Infanterie, brigade. Donc c'est la brigade entière. Non, c'est l'OHQ. C'est l'OHQ. Donc la 5e brigade, elle est où? Elle est ici, si je me rappelle. Montre-moi un peu ça. 5e brigade. Voilà, tu as. Ouais. Il te manque de la foudre, toi. Là. Nous avons un foudre, mais en upkeep et de stock. Hein. Et on en a reçu trois. Donc. On est tout juste, ouais, effectivement, on était tout juste. Bon, ok. On va rien dire. Déjà, pour le moment, on va tout simplement. On sait qu'on a perdu 200 et qu'il nous en manque, donc il faut au moins, quand je dis au moins, c'est au moins 400 cette fois-ci. On va en faire. On va en faire 5, ouais, 480, parfait. Donc là, puisqu'il va falloir en remettre par rapport à ce qu'ils n'ont pas reçu, hein. Mais j'ai besoin de l'income tax. Voilà.
Ça, je suis extrêmement content. On est à 20%, si je me trompe. J'ai besoin des crédits. 1000 crédits, je les prends. Voilà. On descend notre petite carte. Est-ce que j'ai gagné en archéologie? Oui, je n'ai même pas fait attention. 99,11. J'aurais pu cliquer dessus, ça aurait été aussi rapide. Ça devait être. Ben voilà. Magnifique. Et cette fois-ci, là, on avait un rare. Cette fois-ci, nous avons un very rare. Ouh, que je suis heureux. Ouh, nice. Ok, ça, je suis content comme tout. On regarde, est-ce qu'on a la possibilité de créer tout de suite ça. Tu me coûtes combien? Tu me coûtes 125 points. Tu me coûtes 125 points. Et j'aurais bien voulu aussi, moi, malheureusement, faire du BP. J'ai besoin de BP aussi. J'ai besoin de BP. Et pour faire du BP, j'ai. Je peux pas faire le 3. Je peux. Et j'en ai pas d'autre. Ok, donc là, ça c'est bien. Je peux pas faire plus. Attends, je me mets en I parce que sinon je vais pas y arriver. Et ici, nous pourrions aussi faire un BP, je pense, gouvernement. On a un bureaucratique office qui nous coûterait 100. Mais il nous faut du people. Ici. 4004 et je n'ai pas beaucoup de ça, moi. On va le lancer quand même. Mais on va diminuer. Parce que vous voyez, j'ai 2003. Il faut que je passe aussi, montrons un petit peu. Voilà, ma loyauté est à 50. Et on est presque au maximum que je peux gagner en height, potentiellement doublé, hein, puisqu'on était en. Donc ici, il faut que je passe tout de suite. Je vais faire ça tout de suite tant que j'y pense. Nous regardons d'abord deux d'income ici et je les paye 3. Et on sait qu'on aura une pénalité de 1 le tour prochain. Nous avons encore des petits pépins ici. Donc, je viens. Bonjour, monsieur Doug. Je voudrais que vous modifassiez. Modifassiez, que c'est joli. Alors, attention, parce que ça déconne un petit peu mon truc. Ça reste. Donc, on ne touche à rien. Mais je dis que je veux une zone régulière. Merci, monsieur. Parfait. Ok, à partir de maintenant, Hanson va commencer à augmenter son culture adaptation ici. Et ben voilà, on passera de raider, on va passer à autre chose. Ben, nos petites quêtes, je ne sais plus comment est-ce qu'ils s'appellent, nos petites quêtes normaux. Ça, c'est fait. On vérifie, tu me finis la light industry et vous voyez, ça lui a coûté un maximum de points. Il n'a plus que 65. Ok. Parce qu'il a dépensé 1000 de crédit pour acheter. Vous pouvez le voir normalement. 1000. Buying asset expenses. Vous voyez, 1000. Ça, c'est le prix de la light industry. Hein. Et c'est pour ça que nous n'avons pas encore notre light industry à Carreca. Parce que pour faire une light industry niveau 2. C'est ça qu'ils sont occupés de construire. Ça coûte 2500. Et donc, il lui faut 2500 points avant de pouvoir lancer la construction. Mais bon, ça va venir, hein. On gagne 233 par tour. Et donc, dans 3 tours, logiquement, à moins que je fasse un petit cadeau, comme par exemple mettre un. Ouais, on pourrait le faire, hein. Mais bon. Pas si pressé que ça, ça va quand même faire pas mal de d'IP en plus, il hein, faut dire. Mais bon. Ensuite, je viens ici également. On va le lancer quand même. J'ai fait les BP, je m'en fous. Je continue le mining. J'en veux un aussi. Et on va réduire une fois qu'on aura fait tous nos petits trucs. On va réduire une fois que j'aurai fini d'acheter mes nouvelles unités que je souhaite acheter. 2004, il faut que je remplisse mes petits trucs. Est-ce que j'ai des gens? Ouais, toi. Il te faut du machine gun. Ok, on produit, c'est fait.
Peut-être d'abord une vérification dans mon First SHQ. Je viens ici, je fais toi, qu'est-ce que tu as dans tes... T'as que du rifle milicien. Il me manque 100 line troupes, donc on va en créer une. Voilà, une line troupe. On devrait peut-être en faire plus, mais bon. Voilà, rien de voir. Il y en a une d'avance et nous avons besoin de strictement rien d'autre. Donc là, on a construit tout ce qu'on avait besoin. On a 470, je vais encore en faire un petit peu plus. On va encore en faire une petite centaine. Allez, 200, produits munitions, 18 points d'IP de disparu. Bon, il faut que je récupère ça. Normalement, je n'ai aucun problème de visibilité. Donc, on peut faire bouger M, notre ami petit ici, boum, puisqu'il a énormément de points de mobilité. Et on le ramène ici. Parfait. Qu'est-ce que je voudrais construire? Je voudrais mettre des motorcycles, parce que j'aime beaucoup les motorcycles. En attendant d'avoir des bazookas, puisqu'on n'a pas encore de bazookas, si je ne me trompe pas. On n'a pas encore les bazookas. Donc on va se faire des... Alors, les endroits où je peux me faire du motorcycle, ça va être ici. Ça, c'est ce qui reste. Voilà. J'ai 500 points ici et j'ai des points là-bas. Si je ne me trompe pas, il me semble que tout ceci... Montre-moi un petit peu, mec. Non, il n'y a personne là. Mais j'ai l'impression que si je me fais... Ouais, on verra bien. On va commencer par checker nos zones. 54 de reco, mais j'ai vu partir le mec. Hein. Il est parti, ce coup-ci, on ne devrait pas trop se poser de problème. Donc tu avances là, ok, ça c'est fait. Donc toi tu viens avec, augmenter la visibilité. Ici, maintenant nous avons 43, on amène encore. Toi tu peux gagner. Est-ce que tu as des points ici? Est-ce que c'est toi ou bien est-ce qu'il y en manque? Il y en manque ici aussi. Il manque des gens ici. Comment ça se fait que tu ne me le proposes pas? Qu'est-ce qui te manque, toi, dans la MG? Tu as 200 MG? Il te manque 200 line troupes. Alors pourquoi est-ce que tu m'as pas dit qu'il te manque un? Je pense que je sais pourquoi. Je pense que je sais pourquoi maintenant. Je pense que je sais pourquoi. Regardons monsieur ici. Donc, 100. Plus 200 rifles miliciens. Mais il n'envoie pas des rifles miliciens. Et donc il imagine qu'il avait besoin de ça. Donc il me faut quand même 200 mecs en plus. Ça, c'est de la milice. On va les remballer. Scrap. Voilà, tiens. Scrap, comme ça, il ne s'embêtera plus parce que j'ai l'impression qu'il s'emmène un petit peu les pinceaux à cause de ça. Voilà. Et maintenant, il me faut 200 nouveaux payes. Mais au lieu de faire 200 nouveaux payes, toi, à la limite, oh, même si t'es qu'à 900, tu vas rester à 900, mec. Je préfère quand même que tu avances ici. Toi, si tu veux passer là, tu passes par ici, donc tu viens là aussi. Ce qui nous donne quand même un beaucoup plus gros, une plus grosse visibilité, mais qui est encore un petit peu insuffisante. Il me faut 80. Nous pouvons arriver ici. Ici, j'ai combien? Je n'ai que 50. Un petit coup d'avion. Un. Pas un, non. Qu'est-ce que je raconte? C'est ça que je veux faire. First SHQ. Prends-moi mes petits avions. 50 XP, 30 XP. Y pour de la reco. Voilà. Et je viens reco. Ici. Non, ici. J'ai besoin. Comme ça, je verrai ces trois trucs-là. Ici. Allez, reco, mec. Là, ce coup-ci, je me fais plus prendre comme le dernier coup. Il n'y a rien. Enfin, il y a l'air de ne rien y avoir.
J'ai 95, 73, 37. 95 donc. Alors, je vais devoir ramener des gens ici. Toi, tu sais pas encore exactement. Mais de toute façon, il me faudra au moins une personne ici. M. Boum. C'est passé chez nous. Donc, je peux avancer sans danger ici. Nous avons combien? 33, 43, 47, 57. Et là, c'est bien possible que nous ayons suffisamment. Non, il me faut 70. On va continuer à. Donc là, j'ai pas assez, mais si je viens me faire un reco ici, Y. Et on revient chez nos potes. Donc j'ai mis Y. Ici. Alors, il te reste des points. Ok, reco, mec. Parfait. Alors, on est à combien? 92, on sait qu'il n'y a personne là. 72, on sait qu'il n'y a personne ici. Normalement, c'est 70, hein, c'est ça. Ouais. Et 58, on n'est pas encore certain. Ici non plus. Donc, je sais que je peux avancer. Toi. M. On avait fait vraiment tellement les cons le coup d'avant. Là, j'ai toujours deux personnes. Hein. Ok, c'est bon. Donc toi, tu viens ici. Nous sommes maintenant à boum, 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 sans aucun problème, je peux avancer mon petit quête. Viens là, mon ami, même si tu es de la milice. Alors, qui est-ce qui peut monter également? Tout ça peuvent monter. Toi, combien es-tu maintenant? 66 pour 70, c'est ça? Pour 80. Alors, si je voulais venir là, il y a une route ici en plus. Tu me construis des routes, mon ami. 74, 80, c'est ça, ouais. Ça devient un peu plus dangereux si je viens me faire attaquer. Mais j'ai besoin des points. J'ai besoin de voir. Ça y est, c'est passé chez nous. On va en profiter pour faire une route, je peux pas, mais j'ai plus qu'à ce morceau-là à faire pour tout, pour compléter notre chemin là-bas. Toi, ici, tu es à 38, tu n'as pas assez. Et toi, tu pourrais avancer. Et toi aussi. J'aurais bien voulu avoir quelqu'un ici. Malheureusement, c'est un petit peu dangereux de pouvoir mettre quelqu'un. Par contre, si j'amenais ici une personne, ok, toi je t'envoie ici. Ce qui me permet de bouger. Toi tu es 17e MG, ok. 12 et 11, ok, les deux ici. 140 et 140, ils sont tous les deux là. On va, y en a un qui va venir, non pas ici, ils sont bien tous les deux, mais toi tu viens aider ton pote là-bas. Comme ça j'ai deux personnes à chaque fois un peu partout. Ici par contre c'est un petit peu dangereux parce que tu n'es que dans une forêt simple. Et donc je ramènerai bien encore un mec. J'en ai un qui peut monter, oui, j'en ai un qui peut venir. Ici. Allez, toi tu viens ici. Voilà. Là j'en ai trois. Là j'en ai deux. C'est bon. On va travailler comme ça. On réglera encore de nouveau ça par après. Donc comme je disais, ici je peux plus. Ici je peux avancer. Ensuite, je peux créer une armée ici. Et une armée ici. On va commencer ici avec
Donc là, tu me dis qu'il me manque 200, oui, ce qui était logique, hein. Je ne vais pas en perdre. Donc je refais 200 people d'abord, vite fait. Boum, dans ma 200 people, produce. Ensuite, je veux que tu me construises. À cet endroit-ci, tu veux me faire une équipe de moto. Une équipe de moto, voilà, des motos. 500 bikers, ça me convient parfaitement. Raise. On va en faire une ici, je crois. Un deuxième moto. Voilà. 500 motos. 25. Ok. Fais-moi ça, mon ami. On va attacher tous ces gens-là. Toi, je t'attache à la seconde infanterie. Donc, comme je disais, toi ici, mon ami, tu vas passer dans la seconde infanterie, sans rescue. 7 secondes light. Boum. Merci, monsieur. Et vous autres, vous passez dans la. Je ne sais pas encore. Montre-moi un peu. Je peux. Pardon, c'est pas là que je dois jouer. Ça, c'est ici. Change HQ, je peux te mettre dans la première, je ne peux pas. Donc, tu vas te trouver dans la. C'est la quoi? 3, pas la 3, non. La 4 ou la 5. La 4 ou la 5. La 4, ce sont les brins. Les 4, ce sont les brins. Où est la 5? La 5 est ici. C'est quelle couleur? C'est cela. Et tu es qui, le commandant de ça? T'es pas bonne du tout. Mais c'est sur de l'infanterie que je mets. T'as absolument rien. Toi, tu vas d'abord prendre des points. Donc, sur la 4. La 4, qui est-ce qui a la 4? Laura. Laura a déjà. Bon, c'est tout à peu près à zéro. Mais au moins, elle a un sixième sens déjà. Bon, ça va être pour Laura. Donc, c'est, je disais, sur la niveau 4. Donc, toi, niveau 4, change HQ, 7 HQ, quatrième. Parfait. Donc, maintenant, il me reste 288 à ce qu'on voit ici, à ce qu'on pense voir ici. 620. Regardons pour moi savoir si je voulais. Là, le plus simple pour regarder, voilà. Ici, je sais que j'ai 288. Donc, ça correspond. C'est parfait. 288, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut 200 points. 100 points ici pour mon bureaucrate office et 125 ici pour le reste ici. 125. Ça me fait 225. Et j'en ai encore donc 63 de disponibles si j'avais le besoin. Nous savons qu'à Hanson, nous avons un petit pépin au niveau de ceci, des ouvriers. Il va m'en falloir plus d'ouvriers. Donc on va faire une colonisation avec ce que j'ai, 500 pays ici. Boum, je mets les 500 que nous avons. Et ça ne coûte strictement rien comme point. Voilà, j'ai envoyé les 500 colonistes ici en tant que. Et donc, comme j'en ai besoin, ça tombe bien. On va peut-être quand même réussir à faire notre truc correct. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je repasse en. Je fais un pour voir clair et je vais faire les borders. Je souhaite repasser toutes ces borders-ci. Donc, je me positionne ici et je viens là. Hop, 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 j'ai fait le mauvais choix. Comme ça, voilà. Une reco encore ici. Alors on va faire de nouveau un, je crois que je vais encore avoir dans la reco Y, ma seconde reco. Toi tu n'as plus rien, toi tu peux faire une reco.
Viens me faire une rico. Ouais. 41, viens ici. Hein. Enfin, et puis c'est tout, quoi. Comme ça, on saura ce qui se passe. Te plaît. Et c'est fini. Il n'y a rien, normalement, à Vénabitz. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est ici que je veux le voir. 86, c'est bon. Ok, tu avances. M. Viens ici. Alors, il y en a 11. Et ensuite, on vient également ici. Parfait. Donc, on n'est pas trop mal, je pense, dans ce coin-ci. On ne pourra pas faire beaucoup plus. La route, je ne peux pas l'allonger tout de suite. Ce n'est pas grave. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais construire une route jusque-là. Toi, tu as eu un pépin de quoi, mon monsieur? Tu as eu un pépin de hameau. Ok, donc normalement tu devrais les recevoir. On pourrait avancer ici, mais je ne vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Tout ça sur la ligne me semble parfait. Ici maintenant, nous avons combien de people? 1, 2, 3, 4. Toi, tu peux y aller, et toi, tu peux y aller aussi, toi. 137, 125, viens ici. Voilà, comme ça, on est équilibré un peu plus à cause, puisque j'ai des motos, hein, qui vont m'aider là un petit peu, bien qu'elles sont avoir un gros problème de readiness. Je pense que là, on a fait le tour. De ce côté-ci, là, je ne veux pas attaquer non plus. Attends, oui, j'oublie aussi un petit quelque chose, c'est nos organisations. Le suprême commande, on va un petit peu te modifier maintenant, parce qu'on a gagné quand même pas mal de points, on gagne pas mal de points. On va m'améliorer un petit peu, parce que je trouve que j'ai pas énormément de stratagèmes. On va se faire un petit peu plus de stratagèmes en faisant un petit. Mettons un petit 15% ici, ça ne lui ferait pas de tort. Ensuite, j'en ai d'autres que je veux vérifier aussi. L'Economic Council Discovery, donc tout ça, c'est bon. Le staff, on s'en fout pour le moment, ça tourne bien comme celle-là. Pas besoin d'occupation, 10% là. Et. Ok, 85 et 5, ça c'est bon. La recherche militaire, c'est bon. Le modèle design, c'est bon. Le foreign affaires. Ouais, il y a 1%. Ouais, BP, on laisse. Ça lui fait monter. Ça lui permet de lancer les dés un peu plus. Bien que c'est un petit peu idiot, mais bon, tant pis, un point, c'est rien. Et ici, par contre, je veux te changer. Il ne me faut plus qu'un seul homme. Plus que 10% au maximum dans mes taxations. Par contre, on pourrait avoir un tout petit peu maintenant de points qui arriveraient ici. On va mettre 5%, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est toujours ça de prix. Et je veux du tarif. Donc les humaines ressources, on va les passer à 15, comme ça on a un chiffre rond, tu vas me dire ça ne change pas grand-chose. Et par contre, je veux avoir du tarif à égalité avec l'autre, voilà. Comme ça, on peut avoir que notre trade sert vraiment à quelque chose en recevant des tarifs douaniers, des impôts douaniers, des taxes douanières, voilà. Cette fois-ci, je pense qu'on est bon.